ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau jeudi 20 juillet 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. Et en ce jeudi, comme à tous les jeudis, on rejoint pour sa chronique notre ami Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans ma série de chroniques sur les dons du Saint-Esprit, ces cadeaux de Dieu pour grandir dans la perfection de la vie spirituelle, je veux revenir avec vous sur les 7 dons du Saint-Esprit. Ces 7 dons qui nous ont été donnés dans la parole d'Isaïe, je vous les redis, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété filiale et crainte du Seigneur. Eh bien, ces dons, ils nous sont donnés dans la parole de Dieu dans un ordre parfait. Ils nous sont donnés à partir du don le plus noble, le plus beau, le plus important, la sagesse, jusqu'au tout premier, le plus humble, la crainte du Seigneur, qui est très important, mais qui est, on pourrait dire, la première marche de l'escalier, et même si ce n'est pas celle qui nous permet d'atteindre le sommet de la vie spirituelle, la crainte du Seigneur, bien, c'est la première, on pourrait dire que c'est comme ça qu'on commence. D'ailleurs, il y a une belle parole dans la Bible qui dit que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Les dons, vous savez, ils nous aident à perfectionner toutes les facultés spirituelles que nous avons en nous, les facultés de l'intelligence et de la volonté, on pourrait dire les facultés de connaissance et les facultés d'amour. Par les dons, on devient plus humain. Cela perfectionne notre humanité et même on devient divin puisque c'est Dieu qui agit en nous. Donc, les 4 premiers dons, la sagesse, l'intelligence, la science et le conseil, ils viennent perfectionner toutes nos facultés de connaissance, surtout pour mieux connaître Dieu, mieux connaître tout en Dieu, tout dans la lumière de Dieu, comme avec les yeux de Dieu. Et les 3 autres dons, le don de piété, de force et de crainte, ce sont des dons qui viennent agir dans notre volonté, pour nous aider à aimer davantage Dieu et à aimer toutes choses en Dieu et comme Dieu, aimer avec le cœur de Dieu. Voilà comment nous sommes parfaits, de plus en plus rendus parfaits à l'image de Dieu avec les dons. Et pour bien comprendre les dons, il faut comprendre que l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, rien de moins, et c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Comme dit la parole, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, justement, c'est un don. Chaque don est comme une forme de l'amour de Dieu en nous. Donc, la sagesse, on pourrait dire que c'est la sagesse de l'amour, l'intelligence éclairée par l'amour, la passion de connaître l'être aimé, le conseil de l'amoureux, la force que procure l'amour, ou encore la piété affectueuse de deux personnes qui s'aiment, ou la crainte de déplaire à celui qu'on aime. Encore une fois, les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux de Dieu pour nous aider à aimer, mais surtout à aimer divinement, de plus en plus parfaitement, comme le Christ nous a aimés et aime aussi son Père. Donc, si vous voulez vivre d'amour, comme dit la petite Thérèse, que je suis certain que, comme moi, vous aimez la petite Thérèse, si vous voulez vivre d'amour, alors il nous faut invoquer beaucoup l'Esprit et lui demander ses 7 dons, qui sont comme les 7 voiles d'un bateau, pour que le souffle de l'amour divin puisse vous pousser encore plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, prions et demandons ces 7 dons, 7 formes de l'amour divin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde ». En compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale, avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec par des artisans du Québec, dont vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez bien la colombe. Au-dessus, il y a une petite croix qui est magnifique. Et dans le centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Cette belle colombe de la paix, vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Et comme vous le savez, avec tout ce qu'on vit dans le monde présentement, où on parle de guerre, de bruit de guerre, cette colombe, demandons-lui de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8h le matin à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet qui est un moyen très facile, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'épinglette de la colombe de la paix. Vous allez voir la belle petite croix qui est au-dessus et la croix est ornée d'un petit diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre don spécial du mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Mes frères bien-aimés, ce passage d'évangile extrêmement court que nous venons d'entendre résume, comme nous allons le voir, toute la mission du Christ, mais aussi son grand désir de nous soutenir, de nous consoler dans toutes les épreuves que nous traversons. Car, faut-il le rappeler, le parcours humain, qui n'est pas sans joie, offre aussi à toute l'humanité des heures difficiles, parfois même insoutenables. Pensons à ce que représente la mort des êtres chers, et notamment la perte d'un enfant. Les maladies aussi qui nous accablent, les inquiétudes qui nous assiègent en tout domaine, quand il n'y a pas ce qu'il faut aussi pour terminer le mois. Et je voudrais mentionner ici en particulier la situation de nombreuses personnes âgées, littéralement abandonnées, déconsidérées, rayées de la carte, ne recevant jamais la visite des leurs. Heureusement qu'il y a le Christ, hein, oui, ah, heureusement qu'il est là, en dernier bastion d'amour, qui vient apaiser de sa présence et de son action dans l'âme le retentissement de nos malheurs. C'est donc tout d'abord par la prière que nous pouvons recevoir ce baume céleste, que cette onction christique, cet embrassement du Christ peut venir nous soulager. Oui, il faut prier, je le dis, tout simplement quand les épreuves se font trop lourdes. Et c'est à chacun d'établir ce contact avec l'au-delà qu'il ne faut pas chercher dans le ciel, mais au plus intime de nous-mêmes. Venez à moi, vous tous qui peinez. C'est clair, vous ne trouvez pas? Vous avez mal?
Vous souffrez, vous tremblez, venez à moi. Quand le Christ a prononcé pour la première fois cette parole, le peuple n'a pas hésité à le suivre de village en village. Les plus pauvres, les malades, les infirmes sont restés près de lui et ont reçu de son cœur la guérison de leurs maux. Aujourd'hui, le Christ n'a pas changé son fusil d'épaule, il tire toujours sur la misère pour l'anéantir. Mais pour bénéficier de son action, encore une fois, je le répète volontiers, il faut prier, il faut s'approcher de lui, murmurer à son cœur ce qui nous afflige et le laisser agir. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. La guérison qu'il opère en nous peut revêtir plusieurs formes. Bien sûr, en premier lieu, l'abolition du mal à la racine, car il peut détruire les causes qui nous affaiblissent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cela survient parfois et la Vierge n'est pas étrangère à ces miracles qui fleurissent notamment sur la terre de Lourdes et en bien d'autres lieux d'apparition. Cependant, ajoutons bien sûr que ces interventions directes sur le corps sont assez rares. Et elles demeurent provisoires d'ailleurs, car même les miraculés finissent par mourir. Venez à moi et je vous procurerai le repos. Le repos, qu'est-ce qu'à dire? Qu'est-ce que c'est que ça, ce repos? Eh bien, ce mot de repos peut très bien être changé en celui de paix. En priant, en établissant un contact avec le Christ ou avec Marie sa mère, l'âme est soulevée au-delà de ses souffrances, de ses inquiétudes, et se trouve envahie par cette paix intérieure qui contrebalance et répare tout le mal que l'on subit. Ce type de miracle est quotidien, il est à la portée de tous, et le Christ le dispense à longueur d'éternité. Mais avançons. Jésus ajoute « Prenez sur vous mon joug, il est léger, facile à porter, car je suis doux et humble de cœur. » Le joug, vous savez ce que c'est, mes frères bien-aimés. C'est une pièce de bois que l'on place à l'encolure des bœufs pour les atteler. Là encore, nous comprenons qu'en nous attachant au Christ, loin de sentir le poids de ses exigences, nous allons nous retrouver dépossédés de nos fardeaux, car c'est lui qui les portera avec nous. Le joug qu'il place sur nos épaules, c'est son amour, c'est sa tendresse, c'est sa volonté de nous libérer de ce qui nous oppresse. Alors, laissons-lui toute liberté sur nos vies. Des heures sombres, il y en aura hélas encore, mais à l'image du diamant qui est d'abord, comme vous le savez, un bout de charbon surgissant des volcans, nos souffrances sont appelées à être transformées en pierres précieuses, à condition que l'on réponde présent à l'invitation du Christ, et je vous la fais entendre encore une fois, venez à moi. Avec lui, je vous embrasse, et bien sûr, je prie pour vous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est très d'actualité dans notre société de prendre soin de soi. Et ce que ça vient dégager comme message, c'est qu'on est important, que ça vaut la peine de prendre soin de soi. Et ça, c'est merveilleux. Savoir qu'on est aimé de Dieu, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de nous. Et prendre soin de notre âme aussi. Quelques minutes de prière, un petit temps pour faire de l'introspection, aller marcher en nature. Prendre soin de soi en prenant soin de notre âme, ça aussi, c'est porter le grand témoignage que notre vie a une grande dignité. Bonne journée. Parce qu'on a un problème de maltraitance au Québec, puis on n'en parle pas parce que ça nous confronte trop. Quand on parle d'un enfant qui a subi de la violence corporelle, par exemple, ou des agressions sexuelles, c'est comme, oh non, on veut pas aller là. C'est quoi l'amour? Tu ne sais pas l'amour. Un mot qu'on oublie. Tu crois que c'est ça?